Wolff est confiant, nous pouvons battre Red Bull avant 2026. Oui, après, encore une fois, voilà, des belles paroles, hein. Des belles paroles, hein. Je ne serais pas dans ce sport si je ne pensais pas que c'était possible, si vous considérez à quel point Aston Martin a progressé en hiver, le bond en avant que McLaren a fait en été, si nous ne pouvions trouver que 3 ou 4 dixièmes, nous serions à nouveau dans le coup. Alors, Aston Martin, c'est un mauvais exemple, parce que vu comment ils sont en galère en ce moment, désolé, mais c'est pas une référence, hein. C'est plutôt McLaren la référence pour le coup. Nous savons que notre bolide a plus en lui qu'il ne l'a monté jusqu'à présent, mais nous n'avons pas encore trouvé comment y parvenir. Ça nous rend optimistes pour l'avenir. Alors, par rapport à la prolongation du contrat d'Hamilton, il y avait un peu de retard, mais il était clair que ça se terminerait ainsi, avec Lewis qui resterait avec nous. Lui et moi sommes toujours très transparents dans nos transactions. Il y a quelque temps, il m'a dit, j'ai vu John Elkann au dîner, mais sachez que je ne vais nulle part. Puis il m'a de nouveau prévenu, lorsque c'était dans les nouvelles, Toto, je ne mène pas les négociations. Ok, il poursuit, je comprends. Je comprends les rumeurs qui ont surgi. La signature annoncée n'est bienvenue qu'au bout de 6 mois, n'intervenue qu'au bout de 6 mois, mais c'était uniquement pour des raisons de marketing et de sponsoring. Avec moi, il n'y a jamais eu un millimètre de doute. Et puis nous avons aussi, pour 2 saisons, George, qui est l'avenir de cette équipe. La nouvelle génération après Hamilton. Nous sommes heureux. Ouais, enfin, George, bon. George, il sera jamais champion du monde, je pense, honnêtement. Même si la voiture est très rapide. Qu'elle joue le titre, il fait trop d'erreurs, je trouve. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais bon, je sais pas, je le vois pas champion du monde, lui. Il peut jouer le titre éventuellement, mais il n'arrivera jamais à gagner, en fait. Même s'il gagnera des courses, hein, je dis pas le contraire. Hein. Il gagnera des courses, il fera des podiums, mais le gagner le titre, c'est encore un step au-dessus, quoi. Donc, j'ai quelques doutes là-dessus. Qu'en pensez-vous?